Bonjour à tous, ici Skygalaxa, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Arceus. On va faire une situation. Ok. Alors. Ok. La dernière fois, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait fait. Hop. Ouais. Ah, faut qu'on aille voir. Ouais, les soucis de Marcia. Alors, c'est par là-bas. Ah. On va essayer de... Ah, il m'a vu. Les tornades. Ah, c'est pas joli. Ok. Ouais. Passer par ici. Hop. Allez, on prend toutes les ressources. Hop. Tout ce qu'on peut. Je m'appelle Lagena, je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, la petite Céleste. Tu es la fille qui est tombée de la fac spatio-temporelle, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Désolé, j'ai déjà refait une deuxième fois. Je vois. En gros, je fais deux fois l'enregistrement. J'ai entendu parler de toi, je sais que tu as pesé le roi à Sekator. Tu as rendu un service à bien des gens, mais je me demande s'il n'avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait au fond, c'est d'utiliser la force brute pour le faire taire, non? Ah non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec ces espèces de balles. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé, car je n'ai pas non plus besoin de l'aide du clan Diamant. Juste le cas maintenant, j'ai affaire. Ok. C'est triste. Dis-moi, tu accepterais de te battre contre moi? J'aimerais me mesurer à celle qui a réussi à apaiser un roi. Avec plaisir. En combattant contre toi, je pourrais peut-être me faire une idée de la puissance des manas. Ok. Je crois que pas son vampi baiser. Oh putain, ils sont vampi baiser. Je vais prendre un élection. Ah, vous voyez, ça marche pas. Comment c'est combien du PP en fait baiser parce que.
Allez, il change. Après, mes Pokémon ne sont pas si forts que ça. Ok. Mais son Togepi. Eh bien, merci pour ce beau combat. Tu diriges tes Pokémon avec un talent incroyable. C'est bon. Ok. Quelle force incroyable. Laisse-moi remettre tes Pokémon en pleine forme. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à la Jenna. Fragment de mur? Oui, tu as bien entendu. Quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines bon vivre. Tu as déjà entendu parler des détrousseurs. Même la compagnie Ginkgo est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. La Jenna parcourt la région pour récupérer son précieux morceau de mur, mais à 80 ans, elle commence à fatiguer. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux bien essayer de la retrouver pour elle. Bien entendu, je te donnerai un coup de main. Après tout, moi aussi j'ai été dévalisé. De plus, je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. Maintenant que j'y pense, j'ai vu le reste d'un feu de camp à proximité du beau village qui m'arrête. Ça veut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil, tu crois pas? Allez, on y va. On y va, on y va. Pas tant mieux parce que je t'entends. On se noie et tout, on a plus d'objets. Bah, on a des objets, mais. Il y en a qui tombent pas. Ok. Pardon. Ce sont les raids de Futkin. Quelqu'un est passé par ici. Ok, voilà, clairement ce n'est pas le roi qui t'amène. Il y a une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai? Hein. Mais c'est Gladys, Terry et... Jupiter, non, Marthe. Marthe, c'est la fille aux cheveux rouges. Jupiter, c'est le mec. Ah, mais du coup, oui, c'est lui, mais en fille. On devait déjà se présenter, non? Que tu saches au moins qui va lui faire mordre de la poussière. Je suis Constance, l'aînée du trio. Mon sébel est le pain. Car je suis la plus grande et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Je suis Garance, la cadette. Moi, mon sébel, c'est le bambou, plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Et moi, c'est Hermance. Je suis la benjamine. Ma beauté est comme une fleur de pignier fragile qui brave la rudesse de l'hiver. Oh. Annoncer le printemps. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, c'est les destroyers qui sommes la chance. Avec des hanches. Laissez-moi faire les filles, je vais en faire qu'une bouchée. Allez, Quatax, arrose-la de ton poison. Allez, Quatax.
plein de grands poisons. Est-ce que je commence si je peux me rapprocher? Je vais pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. Ah, Mitsubo a pris une nouvelle capacité. Oh, j'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, il continue de me gâcher la vie. Prends le temps, fragment de mur, il fiche le camp. Ok. Comment de mieux des ruines beaux vives. On peut y voir des gravures qui évoquent des caractères. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor, mais en fait, ça vaut pas un clou. Tout ça, ça va pour rien, quel gâchis. Mais dis-moi, pourquoi en avais-tu après nous? Pour aider la gêne. Tous ces efforts dans le seul but d'aider, comme c'est admirable. Mais vois-tu, on ne peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essayent de survivre. Et pour tout dire, on a une dent contre le groupe Galaxy. Et vu que tu en fais partie, on ne te tient pas de haute estime, pardon. D'ailleurs, cela me rappelle cet ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les peut-être s'éparpillent-ils inquiets? Ils s'en vont. Ok. Bon. On va l'attraper. Ah oui, bon. On laisse tomber. On va aller là-bas. On va mettre son fragment. Tu as réussi à récupérer le fragment de mur, pardon. Je connais bien la réputation pardon, de l'ingénieur. On dit qu'elle était sûre et vieux jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours vécu ainsi et qu'elle a donné de sa personne pour servir le clan Perle, guidé par sa foi en le grand sinon. Au fond, ce n'est pas tant qu'elle déteste le clan Diamant et le groupe Galaxy, c'est surtout qu'elle aime le clan Perle par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à baiser Hortacune. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. Tiens, tu es encore là, toi. Tu peux venir me voir 100 fois que je ne changerai pas d'avis. Le fragment de mur. Comment tu as trouvé le fragment? Tu veux vraiment faire ça pour. T'as tout ça pour une parfaite inconnue? Toi, à ce point, envie d'apaiser Hortaking? Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait ou d'autant d'Hortaking. Mais laisse-moi remplacer ça. Remplacer ça. Pardon. C'est vraiment. Et voilà, tout est entré dans l'ordre. On va parler parce que ça nous est après. Voici ce qui est écrit. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Je vois. J'ai lu ces inscriptions maintes fois, sans en saisir le sens. Et j'avais fini par presque les oublier, mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. Ce qu'il a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à reconstruire ce mur.
Et celui-là, l'un des 5 sagas du grand Sinnoh? Dis-moi, comment t'appelles-tu? Je vois, bien. Veux-tu m'aider à apaiser Orsaking? Il est certes très énervé, mais au point de devenir complètement enragé. Pardon. Je crois que si l'on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokéball se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Orsaking aime se rendre sur le plateau Torbu. Torbu, ouais. Quand tu seras prête, rejoins-moi là-bas. Ah oui, c'est là-bas, là-bas. Ah, ouais. C'est un baron. Allez, on y va. Okay. Vous passez. Je vais... Non. Oula. Oh non. Moi qui voulais juste... Il faut voir comment ça s'appelle. Dans une mission secondaire, il faut les deux hippopotames, un mâle et une femelle. Et hop.
En plus, il faut que j'essaie de... Ouais, de... Que je fasse soigner les humains et tout. Déjà, écoute, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais essayer de monter au moins les Pokémon. Au moins niveau 25. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve bientôt. Je fais des gros bisous.